Sandrine, bien bonjour. Oui, bonjour, monsieur Timalon. Voilà, on a un peu de manœuvre, on a un peu de méthode. J'ai là, c'est à Saint-Louis, encore à FTPE. C'est ça. Tout à fait. Sandrine, qui est là, on décide. Alors, la FTPE, mais nous, nous sommes la Fédération des associations de Marie-Galante, la FAMG. Nous avons bien sûr nos bureaux, le bureau de la FTPE de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous avions la distribution pour notre grand projet Un Noël pour tous. Nous avons distribué quand même une cinquantaine de paniers sur Grand-Bourg, Capesterre et Saint-Louis de Marie-Galante. Alors, pourquoi geste là, ça? Parce que même si nous sommes une fédération des associations, nous ne sommes pas dans le social, mais on a trouvé très pertinent qu'en cette fin d'année difficile, nous puissions aider les plus démunis et les personnes les plus défavorisées. Est-ce qu'il y a une continuité à ça? Alors, franchement, on a eu beaucoup d'aide, puisqu'on est une fédération qui est toute récente, hein, depuis le mois de septembre. Et je remercie d'ailleurs tous les partenaires, les associations qui nous ont aidés et toutes les personnes qui nous ont fait des dons. C'est en premier à Marie-Galante ou pas, ou à la FTPE? Alors, la FTPE est notre sponsor principal, puisqu'on est quand même le bébé de la FTPE. Mm-hmm. Et sans la FTPE, la FAMG n'existerait pas. Uh-huh, d'accord. Et je réfléchis en long pour faire ça, ou bien c'est un qui, dans une semaine, je dis, bon, mais quoi mettre ça en place? Non, c'est une action qu'on a mis en place très rapidement, mm-hmm. puisque on s'est dit qu'on ne pouvait pas terminer l'année sans porter une action à la FAMG. Et très rapidement, on a mis en place, tout le monde s'est associé à nous, on a eu beaucoup de partenaires. Et tout naturellement, les dons se sont faits. Et là, aujourd'hui, c'est la distribution. Parlez pour récupération politique de soi. Non, il n'y a pas de politique. Nous avons Betty Bézeri, qui est une association qui a fédéré à la FAMG. Nous avons Olivier Servat qui nous a offert des paniers, mais on n'a pas de statut politique. Mmh, ouais. D'accord. Alors, quels sont les critères pour le panier là? Alors, nous, on a voulu mettre en avant les produits locaux. Donc, dans les paniers, vous allez trouver là, des bananes jaunes, des cives, des clémentines, des tomates, des madères, des patates douces, du piment végétarien. Du giraumon selon les paniers et d'autres, il y en a qui ont des bananes dessert. Mmh, nous avons aussi donné du riz et des bûches de Noël. Alors, du chocolat selon les paniers. Ok. Oui, Sandrine, est-ce qu'il faut gagner une inscription? Aujourd'hui, 800 mots. Aujourd'hui, 800 mots, c'est mon âge déjà. Alors, nous n'avions pas d'inscription. On a voulu faire différemment des autres organismes. Donc, c'est vraiment les associations partenaires qui nous ont donné les noms des personnes vraiment en difficulté sur Marie-Galante. Parce qu'il y en a, et il y en a beaucoup qui sont exclus du système qu'on ne connaît pas. Et c'est ces personnes-là qu'on a voulu aider aujourd'hui. Oui, mais ils ont quand même monté de votre assistance. Oui, non, c'est à la Nubaï, c'est à la Nubaï, non. Non, c'est des noms bien précis, des personnes vraiment dans le besoin. Donc tout le monde a joué le jeu. Mm-hmm. Ce n'est pas le cousin, le frère, la cousine, c'est vraiment les personnes en difficulté. En vingtaine, en quarantaine Alors là, on avait une trentaine de paniers que j'ai fait moi-même. Mm-hmm. Nous en avons 270 sur Capesterre et nous en avons 10 pour M. Servet. Donc nous avons quand même pas mal de paniers pour aujourd'hui. Qui a distribué qui, Jean, par vous, par... Alors tout le monde a participé, donc M. Servat, Mme Bézeri, les associations, tout le monde est en tournée ce matin pour aller distribuer les paniers. D'accord, ça a commencé à partir dès qu'il est. Alors ça a déjà commencé, hein, puisque c'est parti depuis à 9h. Mm-hmm. Ensuite, nous allons tous nous retrouver d'ici 13h30 pour faire un repas, pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. Merci un peu, Sandrine, et bon courage. Eh bien, merci, M. Timalon. Okay. Mon Blaze Udol. On va pas chez nous, ou non? Non, pas chez nous, c'est bien Blaze Udol. Blaze Udol. Voilà. Les Blaze, c'est qui côté? C'est mon Bimao, les Blaze. Bimao. Nous même en fait la pointe. Ouais. Moi, papa, moi, et Maïe, ils ont la pointe. Et à ce moment-là, moi, nous faisons toute la pointe. Okay, voilà. Et Udol, ou là, on rencontre Udol? Udol, eh bien, son monsieur la pointe, monsieur Udol. Mm-hmm. Et en fin de compte, son citadine née, même si elle a échappé à la campagne. Mais elle vient à mes campagnes, moi, avec. Ah ouais? Mais il y a 4 jours à Marie-Galante alors. Ah, parce que les Udol, c'est une Marie-Galante aussi. Mm-hmm. Papa, il fait Marie-Galante. Ah ouais. Il fait grand bout. Ah ouais. Ah ouais. Et comme en plus, Akaï est joué dans l'association, mm-hmm. donc Akaï vient souvent à Marie-Galante. Ah ouais. Voilà. Akaï vient rencontrer des jeunes, Akaï vient rencontrer d'autres associations, Akaï vient jouer des mounes aussi Marie-Galante, mm-hmm. Akaï jouer des personnes âgées également. Mm-hmm. Enfin, nous avons œuvré pour. Est-ce qu'elle est aimé Marie-Galante? Ah, Akaï est aimé Marie-Galante parce qu'elle rêve en moi, c'est la nuit, on t'y pied avec Marie-Galante et Akaï, c'est mon Dieu, bon,
pas mal. Voilà, moi, il garde tout bien. Ah non, moi, il garde bien, il respire bien. Tout, ah, ouais. Tout tranquille là. Hein. Tranquille, moi, il garde tout voilà, bien. Gaillons-nous tranquille. Il garde bien, moi, je vais mettre des masques à l'ombre parmi le monde. C'est obligatoire. Ouais, ouais. Mais l'ombre, nous, à la campagne, comme ça, nous parlons de eux, on va mettre des masques. Ouais. Ouais. Parce que le Covid-19 là, vit nos gens. Et dangereux, il faut faire attention quand même. Oui, oui. Mon Blas, vous parlez moins d'associations, quand il voit des kits d'associations. Alors, en fait, effectivement, président de la commission d'action sociale. Mm-hmm. Et en fait, en cas, nous sommes envoyés en service civique, qui aide nous, justement, il y a dans l'action sociale. Et comme moi, là, j'ai travaillé avec également l'action sociale, il y avait d'autres collègues, bien sûr. Hein? Mm-hmm. Et ça a bien aimé ça, ça m'a également aimé contact. Et contact là, ça permet vous de démêler des situations à quelques personnes qui ont trouvé en gens mêlés, qui sont peut-être trop loin, qui n'ont pas qu'à faire informatique, et si on a eu loin aussi des fois, si on a eu loin, on n'a pas à eu côté à eux. Donc, il fait, nous avons eu côté à eux, nous avons eu demandé à eux, nous avons besoin, à eux, besoin qu'elle nous fait bayo qui est-ce que papi a un autre, c'est ça nous a fait. Nous avons essayé de porter mon aide parce que les gens là, surtout les gens de Marie-Alentin. Si Guadeloupe aussi, les gens de Marie-Alentin, par exemple, nous avons un grand projet. Un projet en moins, sincèrement, c'était de trouver des gens qui démarrent depuis longtemps. Et ces gens-là, ils ont été ramenés à Marie-Alentin pour renouer avec Marie-Alentin. Pour y'a TP, il y a admettons qu'à fait 10 ans, 20 ans, 40 ans, il va venir en Marie-Alain. Après, il y avait formé un petit groupe pour ça, bien avec Covid, c'est des gens difficiles, mais nous payons 30 monde. Et que ces gens-là, ça a présent qu'ils ont été venus, fait qu'ils connaissent, parce que justement, ils ne veulent pas bien connaître nous. Et qu'ils ont été pris moi, en fait, coordonner moi, si vous voulez. Et pour moi, j'ai ramené au Marie-Alain. J'ai redécouvert l'île à eux. Parce qu'ils ont vraiment belle île. Et c'est dommage de laisser tomber ou des morts avant de revenir là. Quel que soit le problème que vous avez, les familles et les amis à Marie-Alain, quand j'ai fait fi de ça, et vini retourner à Marie-Alain. Et ils ont pensé que les ressources, ils ont envie de revenir à Marie-Alain. Pour continuer à vivre là-bas. Parce que c'est bien de vivre ce continent-là, mais Marie-Alain, tout va respirer mieux, tout va vivre mieux. D'accord. Voilà. Toujours dans la vie associative, toujours en tant que président ou bien membre de fond. En tant que membre, on ne peut pas mentir, en tant que membre, en président de la commission. Et là, je suis sorti nommément président à l'outil en main. L'outil en main, c'est en plus pour l'association, nous, qui permet nous de, justement de chercher des jeunes pour aller montrer yo. Métier qui a existé pour yo demain, essayer de vrai de ou la yoté vrai orienté. Voilà, c'est ça. C'est un bon initiative, ça? Quand dit? C'est un bon initiative? Oui, c'est une bonne initiative parce que c'est un président qui sortit en France, qui met les bons outils en main. Nous, on a essayé d'aller les belles. Et en cas promis, c'est là ça qui aide nous à monter l'association là ça ici. Et ces enfants-là qui payent dans des ateliers, apprendre qui gens les anciens qui travaillent. Et ça qui permet en fin de compte de voir ce qu'ils ont envie de faire comme métier. Parce qu'ils ont touché toutes sortes de métiers. Surtout à Capesterre. Surtout à Capesterre, malgré tout, oui, effectivement. Et comment ça? Oui, comment ça en l'eau. Mais quel que soit Saint-Louis, quel que soit Grand-Bourg, tous ces petits là, ils ne passent pas des méga qui ont fait. Tandis que tu fais un tourné, tu fais des ateliers, après penser que tu as payé des mains, choisis ça, tu as vivre. Est-ce que vous avez rencontré les jeunes de Marie-Galante? Est-ce que vous avez façadé avec eux? J'ai façadé avec eux, oui, on connaît ton petit jeune, un phénomène, et Cédric, nous avons été rappelés dans notre famille, et Cédric, son petit mot qui est très actif à Marie-Galante, et après penser que lui aussi, il a fréquenté beaucoup de jeunes, il connaît eux, il connaît ces jeunes-là, et après penser que lui aussi, qui est œuvré pour que ces jeunes-là essayent de trouver un métier pour qu'ils aient envie de revenir à Marie-Galante. Ils ont toujours envie à partir. Parce que sinon, si ils ont parti tout comme ça, Marie-Galante qui est vieillissant, très vieillissant, et c'est qui en béton. Et dans le métier qui peut être comme ça. Il ne faut pas. Il faut essayer de vrai si les jeunes peuvent rester mariés, en travail mariés. D'accord. Avec l'équipe au conseil à Wanantoua, vous pouvez changer ou vous pouvez porter en plus quand vous avez fait. Voilà.
équipe là solide. C'est une équipe qui travaille ensemble. Tout le monde qui travaille ensemble. Ni en paiement, ni tout président de commission, tout ça. Et en plus de ça, mais Covid, non, j'ai éloigné tout le monde. Mais on a espéré que la maladie là, est partie. Et nous qui payons plutôt, pas pour maladie, mais c'est un virus là, ça qui est parti. Que ben, nous avons pour nous continuer à les ballons là, nous télé là, parce que Covid a arrêté ballon. Et il n'y a pas ballon, tout ça, c'est ballon tout le monde. Président, merci. Merci. C'est Bézri, bonjour. Yes, oui. Quoi qu'il y ait? Toujours. Je crois qu'il y a Toto, mais président, il prénom, c'est quoi? Hector. Hector, ça a sonné bien. Ah ben ouais. Et quoi répondre là, il y a quoi qu'il y a Toto? C'est comme ça, ouais. C'est pour les intimes? Oui, bah, pas pour les intimes, c'est le bon, tout le monde. Oui, oui. Eh bien, nous, en haut plateau, Capesté. Nous, à la section Picherie. Picherie, d'accord. C'est là, on a pris qu'à couper et tirer. Non, tu as resté au bout avant. Là, moi, j'ai construit avec d'autres cerveaux. Nous tenions un terrain familial là, donc de construire, construire côté ci. Ouais. Tu as resté au bout de Capesté. Si nous, on y a parlé de Capesté, découvrir Capesté, qu'on peut dire nous de Capesté. On connaît l'histoire, oui. Capesté est très riche, culturellement très riche. Et on dit toute la section des Galets, qui est une section très, très importante, quoi. Ne serait-ce que, par exemple, la culture de l'indigo, puisque c'est débuté des cafés. Ah ouais, l'indigo. L'indigo, voilà. Donc, les bateaux de Gavide au large de Talizé Road, et ils mettaient des embarcations à Ayo, et ils étaient venus récupérer l'indigo là, puis ils étaient repartis avec, soit à Bordeaux, soit à Nantes. Donc, toute région là, ça, on peut toujours l'eau indigoterie à ces régions là, ça. On dit aussi des grottes préhistoriques qu'il a. Que j'ai découvert, mais malheureusement que j'ai fermé parce que trop de monde n'est pas passé récupérer à Day. Ensuite, on dit tout, puisque doit c'est la côte est, donc il faut savoir que toute région là, ça c'est une région avant qui était très très riche au point de vue agricole, parce que monde a planté pois, maïs, et tu as fait l'élevage, puisque à Wado, région où on y a un paquet en bois salin. Et toutes ces bêtes-là, tu as mangé ces blagues, tu as vendu ça. On y a les galeries aussi, d'accord. Et qui doit encore dire, on y a la plage de Lance-Feuillard, qui est une plage vraiment extraordinaire, et qui est capable de tout le monde à y découvrir, puisque vraiment, ça est dynamique. D'accord. Alors, c'est qu'on a écrit, nous avons créé un mot Cap S. Donc, c'est le Cap qui se trouve à l'est de Barigal, le nom de Capesté. D'accord. Où est-ce que tu es, oui? Oui. Quand tu as fait dans la vie? L'idée, ça, ben, tu as fait l'école, tu as fait professeur mathématique et professeur créole. Donc, depuis 2001, tu as lancé créole là, dans l'académie. Donc, c'est moi qui étais professeur créole au collège de Saint-Bandel. Il faut dire tout simplement qu'à travers l'activité là, ça, nous fait pas mal de débuter. Et s'ils ont passé, si vous passez au collège Capesté, vous pouvez voir des grands fresques qu'il a sur ce body là. Vous pouvez voir de l'autre côté aussi d'autres grandes fresques. Et donc vous pouvez voir aussi au tiers ou pas. Donc c'est un cadre européen PAE. Nous te dit avec collège lycée Capesté au milieu. Si on comprend bien, on le sait très à Capesté. Ah ben, à ce qui paraît, en fait, des gens qui ont connu ça, d'autres qui ne parlent pas de ça, bon, en fait, mais ça va au travail, et nous travaillons, bah, c'est pour le Capesté. Est-ce que la politique a inspiré? Non. Ça a inspiré d'autres gens, la famille, moi, voilà, quand vous savez, il faut soutenir la famille, quand vous soutenez la famille, mais bon, ça va. Ça va préoccupation, quoi. Non, ça va préoccupation. Ah ouais, mais bien que devenir un Capesté, boire à vivre là, donc ça doit être inspiré, ça doit être dur, ça doit poser des questions. Depuis qu'on est sans ça, depuis qu'on va vivre à Capesté, on va vivre à Capesté, on va grandir à Capesté, est-ce qu'on a avancé, est-ce que changé, est-ce que Capesté reste tel qu'il a été? Ben, ça bouge ou ça bouge pas? Capesté, en tout cas, a toujours qu'à partir des principes là, ça, c'est que à tête de paquet de Zambie, métropolitain qui est venu ici dans les années 1990, et qui désormais pouvait venir dire ouais, bon attention pays la Gafouka. Pays la Gafouka bien. D'accord? Donc
Alors, comme je dis, tout le monde a réfléchi sur ça. Parce que si yo ka vrai, donc nous au niveau de nous ka vivre. D'accord. Et je vais ajouter tout simplement que on peut parler de côté là ça, que moi l'auteur, pendant l'auteur depuis 1976, j'étais ka occupé de Tibouga JS. Ouais, donc je viens à dire ça tout à l'heure. Alors où t'es nos jeunesse en main, parce que tu es ni rôle là où c'était d'éduquer, jeunesse là présent. Est-ce qu'il change, est-ce que son jeunesse qu'on voit qu'il y a dans à l'arrêt là où tu vis là, on peut porter comme amélioration. Tout le monde a dit, tout le monde pas bon, mais moi personnellement, en tout cas des classes, en tout cas des élèves, bon, tout le monde a dit pas bon, et comme plusieurs élèves, tu vis avec moi, c'est tout le monde a été bien content de vivre. Que pour ça, l'exemple, dernier, on fait des ans de ça, de Thibault, qui était en 5e. Et Tibouga a fait une prestation à son compte. Et le professeur français a vite vu, il paraît qu'il a pleuré, il a dit bon, comme ça, M. Bézri, il va comprendre que j'ai dit qu'il a pu apprendre le texte pour ça, dit le texte à travers le compte. Et que les Tibouga n'a pas dit deux mots à côté. Alors, madame la ministre, dit bon, comme ça, il a esquisé côté Tibouga. Pour dire Tibouga, le jugement là, il a fait ce qu'il a là, a pâté ça. Donc, c'est lui qui partait peut-être sa poêle. Mais Tibouga était très beau et à deux côtés là, de récitation. D'accord. Là, nous avons parlé de Marie Galante. L'école nous dit à voir Guy Tirolien. Est-ce qu'il y a des Guy Tirolien qui nous disent oui, d'autres moi, voilà. Je suis placé aussi pour. À part au groupe. Qui a fait tout ça, gros qui a forcé quoi d'autres amis a dit, mais il faut savoir tout simplement que ni des ans de ça nous fait une grande manifestation pour Guy Tirolien et que jour à manifestation là ça tenu au grand poète sénégalais Oliman Kan qui monté sur Marie Galante et qui était monté parce que le rectorat a demandé à Vin sur tout le mois du créole. Ne voilà-t-il pas comme si monté Marie Galante et que a tenu 5 timon qui était récité et des poèmes à Guy Tirolien, Caripira, Marie Galante, et Prière de Petit Enfant Noir, et Ghetto. Et deux timons qui te dit au texte en créole à travers un contingent et géant là, et que monsieur qui va comprendre créole, ah ben, il restait là, Esté Bekoué qui a coûté Tibouga. Et à la fin, il dit ouais, il a acheté ces 5 élèves là, ça baille, parce que tout simplement, ces timons là, Niagaga. Donc, conclusion, après ça, il pose ce type de parler de ce type de et dit comme ça, c'est dans ce sens-là, ça pour dans la règle là, ça pour continuer. Parce que ce type de vraiment, il fait une prestation formidable. Et quelques temps après, il y a d'autres poètes, gros sommités en Guadeloupe, qui ont venu dire les mêmes poèmes, qui ont crié mes textes-là devant Ziaïo, il y aura lu, alors que ces élèves-là, pour les gens qui étaient là, jour là ça, notamment l'ancienne maire Madame Bourgeois, était qu'à dire, mais qui j'ai cette mine à faire, puis ça dit ses qualités pour elle là ça, sans papier et bien. En cas de puisque mon père en a ça, moi là, il y a des gens qui parlent de Marie Galante, il y a du Marie Galante, son côté qui est tranquille, son côté qui est calme, son côté qui est posé, quoi. Est-ce que vous canalisez Marie Galante comme un dortoir? Vous savez, nous l'avons retraité. Et Capestin Gobou, c'est lui qui passait toute vie ailleurs en Guadeloupe et qui vit si vieux joyeux, qui a vite Marie Galante parce que tout simplement il a trouvé tranquillité là. Et après j'ai oublié que ces amis métropolitains là, moi, ouvrir d'ailleurs, et qu'à dire Marie Galante, c'est le pays de l'immobilité du temps. D'accord? Donc, il a souhaité que Marie Galante garde côté là. Mais vous savez, avec l'évolution de la société, bon, il peut beaucoup de cas, il ne faut pas y rester comme ça, tout cas, du. Mais en fait, bref, personnellement, l'homme a également bien. Et on l'a monde qui a résonné comme moi. Très bien. Sportif. Nous pouvons même dire sportif de haut niveau, puisque vous accompagnez, vous jouez en JSC, JSC en division d'honneur, JSC en numéro 1 en moment, porter la Guadeloupe, flambeau à la Guadeloupe. Et puis, vous voyez les anciens, vous voyez les amis, vous voyez toujours. Oui, vous voyez, même les adversaires. Un adversaire qui était quand je vois CSM, c'est Willy Laudé. C'est bien, nous, après ça, à travers une association de vétérans qui est le Carrel. Mais il faut savoir tout simplement qu'en 76, les José Bad et
conseil d'administration a décidé de descendre en Guadeloupe. Mm-hmm. Nous ne pas descendre comme ça. C'est puisque nous avons rencontré une grosse équipe qui était la Juventus de cette année, qui était champion des Antilles durant 3 ans. Mm-hmm. Et nous malmenés à nous faire capester question football. Mm-hmm. Et ces messieurs disent nous, comme ça, bon, les hommes, ils ont répété un autre marégal. Donc ça a incité nous à descendre. Et avant de descendre, nous faisons un grand match contre l'Étoile. Jacques Loubert était un goal à l'Étoile. Ah ben là aussi, c'est bien c'est nous rappelons nous mêmes. Ne voilà-t-il pas qu'en 76, il ne faut pas oublier de tenir les événements de la Soufrière. Tout à fait. Donc nous participer à nos tournois, il y a le tournoi de la protectrice, que nous gagnons déjà, d'ailleurs. Et ensuite, en 77, ah ben, nous commençons en première division, ensemble avec les équipes conjuguées. Mais il faut savoir tout simplement que tout le monde, tout le monde est égalité, il était dans des qualifications, parce qu'il faut battre sa parole là pour y aller, parce qu'il a tenu un peu de supporters à Resta, un peu de supporters à Juventus, un peu de supporters à SS, et quand ils ont fait une fibre égalité, ils ont ni, et qui est son équipe égalité. De conclusion, il était quand obligé c'est des UND, mais en fait plutôt côté t'es qu'à pencher côté nous la JS. Ah ben faut savoir aussi tout simplement que l'une de cas descendant en 76, ah ben c'était en fait pour nous jouer, puisque faut te goumer pour gagner place à vous. Et deuxièmement, faut te goumer une fois que vous gagnez, que vous restez ce terrain là. Mm-hmm. Parce que tout simplement ça était belle, parce qu'après ça, tout supporter en nous, supporter Maï Galant, t'es qu'à vous souhaiter, nous, quel que soit côté là, qui en Guadeloupe. Mm-hmm. Ensuite, en 76-77, donc nous descendons, bon, faut savoir aussi que on le monte quand il y avait un petit football à autres là, ça a piqué à éloigner. De conclusion, c'est l'équipe là, t'es qu'à venir bander contre nous. À la mi-temps, c'était 0-0, et après ça, nous avons déroulé 4-0, 5-0, MC Fidel, Ezebad, Jacques Bad, Bava, Ruibert Romain, Nechao, et après ça, Didier Comis, toutes les nous, mais enfin, nous tenions au football, tu as réconcilié Moun avec le beau jeu. Mm-hmm. Et jusqu'à présent, même la descente à pointe, 30 ans après, ce gars vraiment, c'est le but, il aura dit, il aura ce jeune homme, il aura dit JSC. Ouais, et ouais, après ouais. Ça, il aura parlé avec. Il a dit, comme ça, le football là, t'es bien. Pour revenir dans un bien, nous, Willy, pour savoir tout simplement que là, Willy est parti. Willy était d'abord en Juventus, et en première division, sans nous. Et à l'époque, Juventus, c'était un paquet de joueurs, Moun qui était grand bout, et les matchs étaient bandés. Et bien, dès qu'on fait, un peu tout ça. Mm. Donc, et après ça, nous jouons Willy à CSM. Ben, Willy, c'était faire de lance à CSM. Et là, nous savons, nous avons joué contre Willy. Ben, nous avons bandé les entraînements, notamment moi, puisque c'est moi qui ai marqué. Donc, toujours tenu des matchs dans le match. Quoi. Ouais. Parce que tout simplement, faut nous savons, il ne faut pas nous laisser gagner. Ouais, ouais, ouais. Willy aussi, tu as pensé peut-être même biter là. Ouais. Et ça permet nous de gagner en 81 la Coupe de la Guadeloupe. Et Coupe de la Guadeloupe contre CSM, justement 1-0 aux Abîmes. Et ensuite, nous partions en Coupe des vainqueurs de Coupe l'année d'après contre le club colonial de Victor Jean-Baptiste. Ils ont gagné nous 3-2 au stade Louis Achille de Fort-de-France. Et nous foutions 6-2 aux Abîmes. Aux Abîmes, match contre. Pourquoi rappeler au match là que j'étais premier mi-temps, j'étais nul. Et vous l'idée, oui, oui, oui. Bah, ça nous a rappelé, puisque moi, je n'ai pas joué jour là, ça. Je sais pas pourquoi il m'a pris 3 minutes. Donc, il faut savoir tout simplement que jour là, ça nous a dit le polo, c'est Paul Géonival. Paul Géonival, oui, oui. Qui était qu'à travailler Saint-Martin. Mm-hmm. Vous savez, Saint-Martin, c'est Bouga, sorti Saint-Martin, c'est Bouga, vous voyez, monter pour un avion à Yo, Yoka, Boutibou à Yo. Et jour là, ça nous. Et vous l'idée, remplaçant. Et nous avons 0-0 à la mi-temps et le deuxième mi-temps fait, Jean-Paul commence à sentir qu'à partir dans tous les sens et William au moment là ça m'a marqué 3 buts. Si bien que France senti était titré, là on est 3 GSC 0. Ça reste à ne pas obéir à penser. Ça aurait été un bidet. C'était un bidet qui manquait nous, mais ça manque moins de temps plus qu'à venir jouer. Peut-être qu'il y a des cas jouer, il va te manquer 3 buts. Allez là, qui joue pour le football à Marie-Galante? Ben, vous savez, j'ai regardé quelques matchs, puisqu'on se correspondait à Fonsanti ici, Marie-Galante. Mm-hmm. Mais en radio, que, pour ça, écrit un article ici, bon, c'est ou bien on ne mettre rien, ou bien on va essayer de forcer de mettre un article pour que les gens disent qu'il y a un vrai match. Mm-hmm. Parce que vraiment, on va voir ces joueurs-là, pas ni, il n'y a pas sa fond, pas ni, bite, pas ni. Ben, enfin,
Bref, entre conception ni de football, et conception nous les en JSC, il n'a qu'à garder. Bon, rares sont les équipes qui ont produit du jeu. Mais aux faiblesses là hier alors. Ben t'es qu'à dire au niveau technique. Technique. Au niveau technique, bon, bêtin, ben qu'à garder des petits bouts, qu'à garder aussi des matchs de jeunes, qu'à garder ça, bon. L'entraîneur est responsable. Ouais, hein? L'entraîneur est responsable. Oui, mais moi aussi j'étais entraîneur. Mais moi aussi j'étais né école de football à JSC. Mais moi l'hiver dans culture à football à JSC. Ouais. Et en tant que de ce type de terrain là et sans ravoué, ben c'est des bêtises différents quoi. C'est à dire qu'à présent, bon, ni en 2005, quand ça va rappeler moi, 2005, nous sommes descendus dans notre monde Bimaro, nous avons joué en équipe, ne serait-ce que pour nous, mais Sainte-Croix, ben, quand on s'est dit qu'à tel cas, ce type de gars, on va faire des doublements, on va faire des types de gars 12 ans, 13 ans, on va faire aussi, on va faire ça. Alors moi, même, quand je dis que tu as revenu dans le football, on va dire peut-être en dépassé. De conclusion, après 10 minutes de jeu, nous avons ramené 2-3-0, si c'est messieurs. De conclusion, il ne faut pas plaire à ce type de gars, on est 12 ans, 13 ans. Laisser ce type de jouer, puisque le football c'est d'abord un jeu. Voilà, alors qui a venu pour le football de Marie-Galante? Ah ben, des super éducateurs ici, des bouquins de deuxième degré, encore des deux, Sylvain Fubo et Eli Aldans, qui étaient des bouquins capacitaires, qui passaient par la JSA. Ils ont essayé de faire un travail, formidable, mais en fait, peut-être, qu'a manqué. Avec nous, nous avons un gros problème ici, c'est un problème démographique où nous n'avons pas de Tibouga encore. Ah ouais. Ouais, nous pas ni Timoun encore, quoi avant. Ouais. Avant on te dit Timoun, Timoun de gagner au football, vous-même aussi, ouais. Timalon. D'après ça, Willy, tu as dit que tu as couru des dos et tous les jours à l'école. Mais oui. Et tu as pris un ballon là, c'est l'être fatigué, il n'y a pas de plus. De conclusion, mais à présent, pas dit ça. Mais non. Dans l'école, avant, il y a des gardes, un professeur de PS qui a passé, il y a 14 timons dans l'école. Donc, comprendre, à partir du moment où on a des perditions démographiques, donc automatiquement, ce qu'on a ressenti dans tous les sports. À quel moment est-ce qu'il y a ça à venir de rassembler les autres? Les anciens. Les anciens. C'est-à-dire que en tout noir des anciens. Oui, c'est-à-dire que c'est ça quand on vient avec nous, on est une équipe d'anciens. D'anciens joueurs, mais ça des bouts comme moi, comme Bava, comme Jacques Bad, qui nous donne des poissons à 70 ans. Nous n'avons pas fait un petit peu de blessé mystérieux là. Nous avons gardé, nous avons essayé de regrouper, nous avons regroupé au sein du KL. Et tous les deux ans, nous avons un tournoi de vétérans qui a regroupé entre 8 et 12 équipes. D'accord, mais là, ça, c'était 10e anniversaire, justement, 10e anniversaire à tournoi à nous. Malheureusement, avec Aura Vinus là, nous n'avons pas fait tournoi là, mais il faut dire ultimement que nous avons besoin aussi, parce que pour les 10 ans là, nous avons donné 12 équipes, deux équipes de Saint-Martin, deux équipes de Saint-Barthélemy, et les équipes de Guadeloupe. Ouais, mais en fait, nous pas est-ce que, ou est-ce que le sport aide? Ah ben oui, hein, pour voir nous des bougues. Vous savez, on reprend l'exemple à toujours, au niveau de l'éducation. Nous devons manger à la JSC puisque nous avons instauré ça aussi, si pour nous la capitaine. Nous devons jouer des matchs en Guadeloupe. Nous devons inviter nous à manger à Casayo quand on le repas du midi. Mais nous devons manger à Café d'Amour. Bon, ben, c'était une éducation. Bon, il faut apprendre à être une cuillère ou bien. On peut gagner les verres et servir. Donc, quand on servir. Donc, ça, c'est un côté formateur aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, des petits bouts peut-être à Casayo, par exemple, 6 heures à table pour manger. Ben, nous te ca montrer l'exemple par bout là ça avait l'autre ni des grands noms comme José Bad, comme Jacques Bad qui te ca c'est beaucoup certains niveaux qui fait des études en métropole qui fréquentent des grands gens de monde ouais ben vous savez c'est pour garder une éducation te ca coûter d'abord avant il fait bêtises même te ca fait bêtises à côté mais nous te ca coûter ça a tenu un rôle formateur aussi et bon bah c'était José Jacques mais aussi ni Fred Amo pour tenir tous les grands supporters de la JSC en Guadeloupe, dès ce semestre qui a invité nous, bon, tu sais, bon, vous tenez bien à table, vous n'avez pas dit. Ou un message particulier a fait passer pour la jeunesse? Bon, ben, moi, je commande tout simplement à venir jouer au football, hein, puisque là, quand il a regardé les matchs, soit JSC, soit USGB, ben, on va venir un paquet de joueurs, on va reconnaître ces joueurs Marie-Galante là. Donc c'est la raison pour laquelle tout ce type de groupe là qui va faire sport là, il m'a dit à rapprocher des clubs, puisque JSC quand même son entité depuis 1956 qui a existé, rapprocher des écoles de football pour demain, JSC n'y a un grand club de football à Capacité. Très bien, merci un peu le temps. Et nous allons dire aucun effort, bon courage, continuez. Et la suite que tu leur reste alors? Ah.
Ah ben oui, hein, moi c'est à l'heure aller. Hein. Donc vous comprenez, donc moi content en juin des jeunes petits bouquets informés, ces petits bouquets viennent voir pour dire bon quoi songer, ils ne peuvent entraîner tous les matins, tous les mercredis, tous les samedis, et ensuite partir. Mais ça peut-être faut ajouter tout simplement, c'est qu'à l'époque là, ça, l'autre bas c'était bouquet, un petit maillot publicité, un petit point de big pour les périodes de Noël, comme nous à Noël, ah ben c'était une fierté pour ces petits bouquets. Et ça te permet de chimber aussi et de nio tout le temps à l'entraînement. Très bien, merci Hector B. Okay, merci. Merci Hector Bézré. Voilà. Merci. Monsieur José, tu es belle. Et maintenant. Désormais, tu es mon habilleuse. Tu sais qu'à un moment donné dans ma vie, je pense que j'aurais été une précurseur.